Aujourd'hui, au cactus vosgien, on va voir Opuntia tortispina. Elle serait un hybride naturel d'Opuntia polyacantha et Opuntia macrorhiza. Alors, on ne va pas épiloguer sur cette histoire, ceci est discuté. Peut-être que la réalité est quelque peu différente. Elle est rampante, étalée et tentaculaire. Elle est originaire du Nouveau-Mexique, du Colorado, on la trouve aussi en Arizona, Texas et Wyoming. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Opuntia faecanta. Alors, elle s'adapte très bien au climat vosgien qui est humide et froid l'hiver. Elle fait de très belles fleurs jaunes en été, des fleurs de grande taille. Au mois d'octobre, elle commence à se coucher sur le sol. Et en hiver, elle est complètement raplatie. Pour pouvoir résister au poids de la neige, donc elle a perdu une partie de son eau, c'est pour ça qu'elle est plissée, elle se teinte parfois de rouge parce qu'elle sécrète un alcool pour ne pas geler. Et le froid provoque des floraisons. On la cultive très bien en rocaille ensoleillée dans le nord de la France.